Bonjour et bienvenue dans Star People, le magazine 100% star et 100% people. À la une cette semaine, Julien Doré fait le buzz sur la toile avec sa reprise étonnante de Femme Like You. Le lauréat de Nouvelle Star saison 5 est-il de retour? Star People, dans ce numéro, l'actu du 7e art avec Jeanne Moreau. L'actrice à l'affiche d'une Estonienne à Paris se confie sur un parcours jalonné de succès. Star People, dans cette édition, notre page poétin de People avec Sam Nell, le paléontologue de Jurassic Park en viticulteur de renommée en Chine. Enfin, Star People, au menu également, notre page People au top avec Cathy Guetta, la reine de la nuit en véritable businesswoman. La femme de David Guetta a décidément le sens des affaires. Star People, nouveau numéro, c'est parti. Star People, à la une cette semaine, Julien Doré fait le buzz sur la toile avec sa reprise de Camaro. Cela faisait déjà quelques mois que le chanteur et comédien n'avait plus fait parler de lui. Côté discographie, son dernier opus Bichon remonte à début 2011, laissant ses nombreux fans sur leur faim, ceux-là même qui espèrent aujourd'hui un retour prochain en studio de leur idole. Un comeback qui devrait arriver plus vite que prévu grâce au buzz généré autour de sa reprise du tube Femme Like You de Camaro. Enregistré pour les besoins de l'émission Namur en toi pour la télévision belge, le titre fait aujourd'hui le buzz sur internet. Il faut dire que, comme à son habitude, la version du lauréat de Nouvelle Star saison 5 n'a vraiment rien à voir avec l'original, sorti en 2004. Un titre remis à la sauce Julien Doré et qui séduit un nouveau public. Oubliez les sonorités pop R&B, Femme Like You, façon Julien Doré, devient une balade pop rock, assez déroutante à la première écoute, mais qui ne déçoit pas ses fans, ravis de retrouver une actu musicale pour leur idole. Alors si vous souhaitez découvrir Femme Like You en version pop rock acoustique, rendez-vous sur nos pages via les sites sociaux. Affaire à suivre. Star People et l'actu du 7e art. Jeanne Moreau, l'actrice actuellement à l'affiche d'une Estonienne à Paris, se confie lors d'une conversation vérité. On n'ose y croire et pourtant, l'actrice sans film continue d'enchaîner les rôles à 80 ans passés. Cinéma, théâtre ou chanson, Jeanne Moreau est une artiste multifacette qui continue à tourner avec toujours cette même passion pour son travail. Pour la promotion du deuxième long métrage d'Ilmar Hag, Une Estonienne à Paris, l'actrice se prête au jeu des questions-réponses, non sans malice. Drôle, mais aussi directe, Jeanne Moreau, la star à la voix rauque, révèle ainsi que c'est Truffaut qui est à l'origine de sa carrière musicale. Celle qui rêvait d'être danseuse aurait eu le déclic de la chanson sur le tournage du film Julie Jean où elle partageait l'affiche avec Henri Serre. De ses amours, Jeanne Moreau confie que Louis Malle est l'un des deux hommes qui ont compté pour elle. Et si à l'époque, leur scène d'amour dans le film Les Amants avait fait scandale, l'actrice avoue qu'il s'agissait alors de la dernière fois où ils étaient ensemble. C'était un dernier cadeau que je lui faisais, a-t-elle déclaré. Une interview à retrouver dès à présent dans le Nouvel Observateur, nouvelops.com. Star People et notre page Potin de People. Sam Nell, l'acteur néo-zélandais, fait la une de la presse chinoise et ce n'est pas pour son actu cinématographique. Alors qu'on le retrouvera à l'affiche de deux longs métrages, courant 2013, la star du film culte La Leçon de Piano récolte enfin les fruits de sa seconde passion, le vin. Hormis les fans, le grand public ignore que l'acteur diplômé de littérature anglaise est également à la tête de sa propre propriété agricole. Installé au central Otago, dans l'île du sud de la Nouvelle-Zélande, Sam Nell possède ainsi des vignes plantées en pinot noir et Riesling. Commercialisé sous la dénomination Tupadoc, son vin est aujourd'hui le chouchou de la clientèle chinoise. Et l'acteur a de quoi être fier. Propulsé en une de The China Post, le paléontologue de Jurassic Park est aujourd'hui à la tête d'un vignoble de renommée mondiale. Au départ, je voulais simplement produire du pinot noir pour ma famille et mes amis. Franchement, je me disais que c'était quelque chose que je ferais occasionnellement, a-t-il déclaré. Débuté en 1993, le vignoble de Sam Nell se compose de plus de 150 hectares, faisant de l'acteur l'un des principaux vignobles d'Alexandra, une sous-région du central Otago. Alors vous l'aurez compris, viticulteur, un vrai grand rôle pour Sam Nell. Affaire à suivre. Star People et notre page People au top. Cathy Guetta, la reine de la nuit en véritable businesswoman. Quand la femme de David Guetta se lance dans une nouvelle affaire, c'est toujours un succès. En 2011, Cathy Guetta s'associe au publicitaire Raphaël Aflalo pour créer My Love Affair, une société qui propose aux marques d'associer l'image de leurs produits à un artiste. Lenny Kravitz, Iggy Pop, Justin Bieber et bien sûr David Guetta font partie du catalogue des artistes prêts à associer leurs talents aux produits des marques. Dans les faits, vous avez certainement en tête cette publicité cité avec David Guetta pour une voiture électrique d'un constructeur français. Publicité tirée directement du clip du DJ et pour cause, c'est le constructeur automobile qui en a produit le clip. Un bon moyen pour les stars de lier l'utile à l'agréable et une success story supplémentaire pour Cathy Guetta. Voilà voilà, Star People, fin de cette édition. Rencard la semaine prochaine sur cette antenne. Bye.